La façon dont c'était organisé avec Gérald, c'est qu'on travaillait les mêmes dossiers, lui à l'externe, moi à l'interne. C'est un peu comme ça que je voyais les, euh, les choses. Euh, alors, par exemple, sur le dossier de la souveraineté, euh, Gérald allait sur la commission Bélanger-Campo, euh, faisait les déclarations publiques, euh, bon, avec euh, Bouchard, euh, La Berge et compagnie. Puis moi, j'organisais la campagne euh, pour la souveraineté du Québec à l'intérieur de la CSM. On organisait des référendums euh, dans nos syndicats. Euh, on a fait de la formation euh, euh, au plan syndical sur cette question-là, pourquoi la CSN appuie l'idée de l'indépendance du Québec. Et euh, c'était la même chose sur euh, des dossiers comme l'organisation du travail euh, ou euh, la fiscalité. Euh, donc le secrétaire général, lui, son premier mandat, c'est d'organiser la vie interne de, de la centrale, aussi bien au plan euh, des, des ressources euh, humaines. Euh, pas matériel, ça, ça relève du, euh, du trésorier, mais euh, aussi euh, par rapport au membership. Alors moi, c'est beaucoup comme ça que je voyais les choses. Alors j'ai participé à beaucoup de tournées de syndicats euh, sur des thèmes plus politiques mais en même temps, je m'assurais que euh, à l'interne euh, aussi bien euh, les conseils syndicaux, le personnel euh, administratif soit au fait de, de nos positions, les comprennent bien. Puis, parfois il était débattu aussi hein, quand on rencontrait euh, les salariés, il y avait souvent de bons euh, de bons débats. Et aussi il y a tout l'aspect de la négociation avec euh, les euh, le syndicat des travailleurs et travailleuses de la CSN. Moi, j'avoue que de ce côté-là, j'ai été chanceux là parce que euh, la direction du syndicat, quand j'étais là, euh, c'était une direction qui partageait euh, notre vision à l'exécutif et donc on a toujours cherché à trouver des solutions plutôt que des confrontations. Alors euh, bon, ça ne veut pas dire qu'on était toujours d'accord là, mais euh, euh, on avait toujours euh, la porte était toujours ouverte pour euh, pour dialoguer. Mais le plus gros problème, souvent, c'était avec le trésorier de la CSN. <laughs> Léopold, il était très... Euh, <laughs> il, il Ses goussets étaient très serrés. <laughs> Léopold avait tendance à baisser ses revenus puis à augmenter ses dépenses. <laughs> et ça finissait toujours qu'on avait plus de revenus que prévu puis moins de dépenses que prévu. Alors à un moment donné, je sais pas, je vous donne un exemple. La, la, le syndicat demande 4%. Et puis euh, Léopold dit, on peut pas donner plus que 2%. Ah ben j'ai dit c'est sûr la négociation se termine à 3 Comme de fait, ça s'est terminé à 3 Alors, il y avait il y avait encore une petite marge de manœuvre du côté de Léopold puis du syndicat. Alors, euh, et quand je suis arrivé secrétaire général pour tout cet aspect-là, on n'avait pas de service de ressources humaines à la CSN. Malgré le fait qu'on avait je sais pas moi, je me rappelle pas combien de salariés là, mais euh, plusieurs centaines de salariés. C'était l'exécutif de la CSN qui gérait les ressources humaines euh, hebdomadairement. C'est lui qui engageait, qui congédiait, ça arrive pas souvent, mais qui, qui, euh, qui acceptait les, les euh, vraiment des, des, des questions euh, tout à fait administratives. Et l'exécutif de la CSN passait les deux tiers de sa journée à gérer euh, les ressources humaines. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit ça, ça va aucun bon sens. On va mettre en place un vrai. Euh, département des ressources humaines avec un directeur des ressources humaines, qui ne sera pas syndiqué. <laughs> c'est un, un, un détail, mais c'est un détail majeur pour l'exécutif, le fonctionnement de l'exécutif de la CSM, Parce qu'au lieu de passer euh, la journée à faire du, euh, de la gestion de, de personnel, ben là, il passe sa journée à discuter euh, d'orientation et de problèmes euh, syndicaux. Alors, euh, moi, ça, je trouve que c'est peut-être le leg le plus tangible que j'ai laissé euh, à la CSM. Une chose aussi que, je, que Gérald et, et moi avons cherché beaucoup à développer, là, puis pas tout seul, c'était justement pour assurer la syndicalisation des nouvelles euh, formes d'emploi, d'investir beaucoup dans l'organisation de nouveaux syndicats. Et euh, on a fait des expériences qui se sont avérées euh, heureuses, d'autres expériences se sont avérées plus malheureuses. Euh, mais quand on pense par exemple les chargés de cours, ça a pris huit ans. De, de procédures judiciaires pour qu'on fasse reconnaître l'existence du syndicat de chargé de cours. Mais maintenant, presque toutes les universités au Québec ont des syndicats de chargé de cours. Euh, les garderies, alors qu'au départ, on a commencé à syndiquer les garderies, c'était comme une aberration, même dans le milieu, euh, milieu populaire, c parce que les garderies populaires, c'était géré par les, les parents et euh, les, les employeurs. Comment une garderie... Euh, qui, est, qui, est, qui est populaire euh, aurait un, du personnel syndiqué qui, d'une certaine façon, participe à la co-gestion de la garderie. Mais encore une fois, syndicats peut euh, être en mesure de donner des règles entre travailleurs et puis l'ancienneté c'en est une quand une place se libère bien, on a une règle au lieu que ce soit euh, l'arbitraire et l'autre élément c'est que la syndicalisation des travailleuses des travailleuses en garderie a permis la reconnaissance du réseau et la création des centres de la petite enfance qui est actuellement menacée par euh, les politiques du gouvernement libéral mais quand même je ne pense pas que Lucien Bouchard lui aurait sorti son son chapeau la politique familiale ça n'avait pas eu tout ce, ce travail là euh, avant Alors, euh, euh, donc la syndicalisation des travailleuses de garderie a amené Beaucoup plus loin que simplement leurs conditions de travail. C'est une conception euh, de la politique familiale québécoise qui a été influencée par euh, par le mouvement syndical, par la CSN. Alors, euh, donc, moi, je pense que c'est cyclique, et, mais on confine toujours par euh, passer à travers, particulièrement au Québec, là, parce qu'encore une fois. Quand euh, on a vu apparaître la précarisation des emplois, au lieu de euh, non seulement combattre la précarisation des emplois, ce qu'on va continuer à faire, bien, on a trouvé les moyens d'organiser les précaires euh, aussi. On a tenté des choses, ce qui explique que le taux de syndicalisation au Québec soit encore euh, au-dessus de 40 si on avait baissé les bras, tenter strictement de lutter contre la précarisation des emplois ou les nouveaux types d'emplois qui peuvent apparaître, ben on n'aurait on pas été capable de maintenir le taux de syndicalisation. Puis ça, je pense, c'est une erreur que euh, les Américains, puis même les Européens euh, font actuellement. C'est-à-dire, ils mettent très peu d'énergie. Dans les nouveaux secteurs, bon, évidemment ils ont peut-être moins de moyens que euh, les syndicats québécois avec, le, avec les Canadiens avec la Formule Reine, mais euh, quand même c'est là qu'est l'avenir parce qu'on gardera pas le, le, le tissu industriel ou la structure industrielle euh, intacte euh, dans le futur. On le sait qu'avec les changements technologiques, avec la mondialisation, il va y avoir des modifications. Donc il faut aussi, aussi adapter les formes de syndicalisme. Je regarde euh, par exemple les conseillers syndicaux à la CSN, c'est presque maintenant strictement des universitaires qui. Euh, des gens qui ont fait de relations industrielles, pas beaucoup de monde qui provient des syndicats comme c'était le cas avant. La seule méthode que je vois pour suppléer à ça, c'est la formation syndicale. C'est-à-dire il faut que euh, les syndicats euh, forment leurs membres et leur personnel en leur rappelant euh, ce qui s'est passé euh, dans, dans le passé. Euh, qu'il y ait des, des valeurs qui traversent. Euh, alors, à la CSN, on a travaillé très fort sur euh, la mission de la CSN, sur nos valeurs euh, à une époque, et euh, ces valeurs-là doivent euh, demeurer. Donc, il y a, y, a y a un travail d'éducation euh, à faire, et moi, je pense qu'il y a un équilibre à garder entre les, les conseils syndicaux qui viennent euh, de la formation universitaire et ceux qui euh, viennent des syndicats. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est que les universitaires sont des fédérations à faire de la négociation, et puis ceux qui proviennent des syndicats font de la mobilisation dans les conseils centraux, parce que ça, c'est une autre fonction des conseils centraux, d'appuyer les luttes. Euh, syndicales directement. On assigne un conseiller syndical, on va organiser des manifestations, on va organiser des, des, des lignes de piquetage massives dans certains cas, des collectes de fonds lorsque des grèves durent trop longtemps ou des lock -out. Bon, On se souvient du journal de Montréal, par exemple, le conseil central a joué un très grand rôle d'appui aux syndicats. Euh, donc moi, c'est ce que je vois, c'est de garder cet équilibre-là entre euh, des conseils syndicaux et conseillers syndicales, qui proviennent des milieux de travail puis d'autres qui viennent proviennent du milieu universitaire mais la formation là euh, il faut que les, les jeunes syndiqués connaissent l'histoire de la CSN T'sais, moi je, 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 dans mes cours c'est pas mon mon euh, dans mon but là, parce que je donne des cours d'économie mais souvent je vais leur parler euh, de la CSN leur rappeler que c'était la Confédération des travailleurs catholiques du Canada que euh, la FTQ vient de syndicats qu'on dit internationaux mais quand on dit internationaux c'est syndicat américain. c'est juste parce qu'ils traversaient la frontière qu'ils devenaient international que les, euh, que les entreprises américaines, quand ils ont fondé leur euh, qui ont amené leur filiale ici, ils ont amené aussi leurs syndicats euh, ici. Mais évidemment, la FTQ, ce c'est plus, euh, plus, plus des syndicats internationaux, là, au contraire. Mais il y a eu toute une évolution. Euh, euh, il faut leur rappeler euh, ça. Donc la formation syndicale, pour moi, c'est essentiel. Et le conseil, les conseils centraux euh, sont le lieu euh, numéro un euh, de cette formation euh, syndicale. Ah, il y a une crise, mais elle a été causée justement par les politiques néolibérales puis la déréglementation du secteur financier. Donc, euh, euh, au contraire, ça plaide pour euh, le retour de l'État. Euh, je pense que c'est ça qu'avait esquissé au départ euh, les, les dirigeants à l'échelle mondiale, puis tranquillement, ils sont retombés dans business euh, as usual. Alors, euh, euh, moi, moi, au contraire, euh, je pense que la, la dernière crise financière et économique qu'on a eue, et on en voit encore les séquelles, là, je veux dire, les taux de croissance sont très, très faibles. Ça plaide pour le retour de l'État keynésien. Ah, Peut-être avec une autre euh, je dirais avec une autre approche à cause de la mondialisation. Là, on ne peut plus maintenant, il faut que ce soit plus concerté. Je me rappelle dans les années 80 quand Mitterrand a pris le pouvoir, euh, puis a lancé une politique de relance avec la récession dont on parlait euh, très, très musclée. Ben une bonne partie de la politique de relance s'est trouvée en Allemagne et puis en Grande-Bretagne parce que les Français, pas, les frontières sont pas fermées. Alors les Français, ont, le gouvernement français, les contribuables français ont payé une partie de la relance <laughs> en, en Allemagne. Alors c'est pour ça qu'il faut concerter les choses, mais les gouvernements ont une très grosse responsabilité. Et puis je pense que la dernière négociation au Québec, se situait là-dedans. C'est pour ça que les syndiqués ont eu tant d'appui. C'est que les politiques d'austérité de couillard, les gens ont commencé à voir les, les effets concrets de ces politiques-là. Et d'une certaine façon, ils n'ont pas cru les arguments euh, du gouvernement concernant euh, la, la marge de manœuvre financière. Et puis, le gouvernement a ouvert un peu ses goussets. Euh, donc, moi, je pense que l'opinion publique euh, a changé, mais malheureusement pas nécessairement la classe politique. Alors, il faut espérer que. Ceux qui vont venir euh, après vont, euh, vont avoir un petit peu plus de courage de, de changer les, les règles du jeu pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Mais là, pour le moment, on n'a aucune aucune garantie que ça ne se reproduira pas. Le secrétaire général a aussi la responsabilité d'organiser les congrès. Alors moi, quand j'étais là, j'en ai organisé aux deux ans. Euh, puis même parfois... Osant, parce qu'on a un congrès spécial sur euh, euh, sur les, les structures de la CSN où on a regroupé les conseils centraux. Euh, et là, je voyais le congrès qui s'en venait. Et euh, c'est quand même assez fastidieux d'organiser un, un congrès. Bon, il y a le contenu, ça c'est en mais il y a tout l'aspect de logistique là, même si je suis pas directement, euh, comme secrétaire général, impliqué là-dedans. Mais en, en, en dernier ressort, c'est moi qui prends une décision à cet égard-là. Il y a toujours euh, quelqu'un à l'exécutif de la CSN qui s'occupe de, de ça. Pendant longtemps, été Diane Lapointe euh, qui s'occupait de, de ces aspects-là, et je voyais venir ça. Et ensuite, euh, bon, moi, je me suis beaucoup impliqué dans la question euh, de l'indépendance du Québec au sein de la CSN. Moi, je suis de ceux qui pensent que les syndicats pour être indépendant de la politique, doivent pouvoir appuyer ou pas un parti politique. Ce n'est pas la position de la CSN. J'avais fait passer cette, euh, cette orientation-là au Conseil central. Je ne sais plus si elle est encore dans les, euh, les statuts du Conseil central, euh, parce que justement, être indépendant des partis politiques, c'est pouvoir retirer notre appui. Ça a pas mal plus de, de, de poids quand la FTQ annonce qu'elle n'appuiera pas le Parti québécois aux prochaines élections que quand la CSN appelle à voter pour des candidats progressistes et souverainistes ou indépendantistes. Alors, euh, donc, moi, c'était ma position. Et euh, quand euh, le, la CSN a voté, euh, enfin le Conseil euh, confédéral a voté de sortir de partenaires pour la souveraineté. Moi, j'ai dû faire un choix. Là. Soit je retombais dans le syndicalisme, euh, puis encore on était au sortir du référendum de 95. On pouvait avoir espoir que ça se fasse, qu'il qu y ait une troisième manche euh, assez tôt. Donc je me suis dit, je vais m'investir complètement euh, dans la promotion de la souveraineté. Et là, j'ai quitté la CSN, pas euh, de façon euh, fâchée, c'est simplement que euh, je pensais que... La priorité à ce moment-là, c'était de réaliser euh, la souveraineté du Québec. Et puis j'avais quand même été 13 ans à la CSN. Là, euh, moi, je pense que c'est bon qu'il y ait du renouveau. Et euh, donc j'ai quitté, pas pour aller en politique. J'ai quitté parce que je voulais m'engager me, me, euh, totalement à, dans cette, la cause indépendantiste. Je savais pas comment. Puis là, c'est là que Télé-Québec m'a euh, appelé pour euh, animation de droit de parole. Euh, je me suis dit, ça, ça va être une expérience intéressante. Alors, je l'ai faite pendant un an. Et là, quand Gilles Ducep m'a approché pour euh, me demander si j'accepterais d'être vice-président du Bloc québécois, un poste qui n'existait pas avant que je l'occupe, ben là, je me suis dit, là, je vais pouvoir m'investir euh, quotidiennement à 100% dans euh, la bataille et j'ai quitté aussi Télé-Québec. Alors, il euh, bon, faut dire qu'ils m'ont, ont commencé par me con, parce que j'avais accepté, euh, j'avais accepté avant la fin de mon contrat, euh, de euh, présider les chantiers du Bloc pendant l'été. Donc en deux saisons. Mais euh, c'est euh, Robert Normand, qui était euh, le, le PDG de Télé-Québec, qui est un fédéraliste euh, euh, tendu là, du, du bout du nez au bout du gros orteil. Alors, il a sauté sur l'occasion pour me congédier. Finalement, il y a eu un grief, puis j'ai été payé. là, mais euh, Quand même, là, j'avais... Et, et c'est là que, que j'ai pendant 11 ans été à temps plein en, en politique. Alors moi, il a pas eu. Ça une transition que je trouvais tout à fait normale. Gilles me demande euh, « voudrais-tu te présenter dans Joliette? » Alors, moi, je dis oui. Je connaissais bien euh, Joliette, le, cette région-là, à cause des syndicats de la CSN. Alors, Firestone, le syndicat de l'hôpital, qui est un, un donatien Corriveau, venait de, de ce syndicat-là. Roger Valois est à Sorel, l'autre bord. Joliette, Sorel, saint là, c'est un axe. Et puis, euh, moi, j'étais très à l'aise, je connaissais beaucoup de monde. Euh, donc, j'ai accepté, et puis euh, j'ai mené ma première campagne euh, mais entre le syndicalisme et la politique active, il n'y a pas une gros, grosse euh, différence. Il euh, y a une différence de, de, de terrain. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait du syndicalisme On essaie de convaincre les gens de s'organiser en syndicat, de rester à la CSN, de, euh, de, de, de faire sienne les revendications de la CSN ou les propositions de la CSN. Quand on fait de la politique, c'est la même chose. On essaie de convaincre. Euh, et la seule différence, je dirais, c'est que euh, en politique, le court terme est beaucoup plus important que le long terme. En, au, au, au plan syndical, euh, le long terme, le moyen et long terme, c'est ça qui est le plus important. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Euh, jamais quelqu'un va attaquer le président de la CSN euh, de façon euh, frontale, euh, publiquement. Euh, parce que le président de la CSN, c'est une institution. On va se présenter contre lui à, à, au congrès, là, comme c'est arrivé à Marcel Pepin, après qu'il soit sorti de prison, il y a quelqu'un qui s'est présenté contre lui, qui a eu 30% du vote. C'est quand même assez incroyable. Et puis, euh, mais... On n'a jamais dénigré Marcel Pepin. Il euh, n'y a jamais un syndicat qui a dit euh, Marcel Pepin, c'est un ci, c'est un ça, parce que c'est l'institution. La CSN, c'est pareil. En politique, euh, un politicien va euh, torpiller son chef, va torpiller son parti politique par, euh, euh, je dirais, par euh, intérêt personnel. Alors ça, j'avais jamais vu ça, moi, dans le, le, le syndicalisme. Alors moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient critiques vis-à-vis -vis de mes positions, mais jamais... Ça a sorti publiquement. Mais quand je suis arrivé en politique, j'ai trouvé ça dur parce que je trouve qu'on quand on, on, on s'attaque au chef de cette façon-là, qu'on s'attaque au bloc de cette façon-là. C'est vrai aussi pour le PQ ou même le Parti libéral. Ça, ils sont moins. Euh, C'est moins le cas pour euh, les libéraux à Québec et à Ottawa, mais pour les conservateurs, ils peuvent être assez. Euh, euh, on on s'attaque à l'institution et puis on, on met un. un en danger l'institution. Alors moi, ça, ça ça m'avait beaucoup frappé. Ensuite, une autre chose qui m'a beaucoup frappé, j'en ai parlé souvent avec ma conjointe, c'est que les décisions de Congrès, là, ça compte pas pour beaucoup, beaucoup. Faut les rappeler souvent. Alors que, au plan syndical, les décisions de Congrès, c'est comme parole d'évangile. Tu t'assus tu t'assises à la décision du Congrès. Le Congrès l'avait décidé. Tout le monde se, se tait. Euh, ben. Euh, dans un parti politique, la conjoncture change tellement vite. Oui, mais on avait décidé ça au Congrès, mais ça fait déjà deux, trois ans, puis la conjoncture est ceci. Donc, le chef a une marge de manœuvre. Mais pour le reste, euh, convaincre les gens de la, de la pertinence du bloc, euh, pertinence euh, d'indépendance du Québec. Moi, je trouve que ça ressemblait beaucoup à ce que je faisais quand j'allais dans des, euh, des assemblées de désaffiliation, par exemple, puis je disais Mais non, il faut ouvrir ici à CSN, puis ceci, puis cela. C'est ça que j'ai apprécié dans le syndicalisme, le fait que c'est plus long à tourner. Ouais, parce que la question nationale, ça a pris de 63 à 90 avant que la CSN se branche pour l'indépendance du Québec, elle est passée par toutes sortes de stades, mais une fois que c'est fait, c'est acquis. Et puis, euh, au plan politique, ben là, c'est pas la même chose, ça, ça m'a un, euh, un peu dérangé, mais moi, j'étais un de ceux qui, se, qui ramenait toujours les décisions du Congrès, ah, le Congrès l'a dit, le Congrès l'a dit. Mais règle générale, euh, euh, mes collègues avaient plutôt tendance à oublier rapidement le lendemain du Congrès ce qui avait été voté au Congrès. <laughs> en tout cas, on était plusieurs à la CSN au bloc québécois. Alors c'est un petit peu aussi euh, le paradoxe, c'est que la, la, la CSN est très frileuse pour ce qui est de la politique partisane, pas la politique, euh, l'action politique là, c'est pas, pas la même chose. Mais par contre, c'est certainement certainement la pépinière la plus importante au plan syndical de politiciens et de politiciennes. Gilles Duceppe, Francine Lalonde, Claude Bachand, Rénal Blais, moi, euh, aussi euh, l'ancien président de la Fédération des affaires sociales, euh, Yves Lessard. Ah, on était au moins 6-7 euh, anciens euh, dirigeants de la CSN euh, dans le caucus. Alors, euh, c'est euh, un paradoxe, ça. Ce dans quoi je m'implique, là, c'est euh, Oui Québec, euh, c'est-à-dire les organisations unies pour l'indépendance du Québec, euh, Donc Claudette Carbonneau est la, la présidente, alors euh, moi je, je, je milite avec eux, c'est la société civile, on retrouve euh, une diversité de groupes, la CSN est présente euh, là aussi, c'est Jacques euh, Letourneau qui est euh, le représentant, et euh, donc c'est par ce biais-là. Je suis toujours euh, actif euh, aussi euh, dans l'association du PQ de l'Assomption, parce que j'ai été candidat en 2014, puis je vais à des activités du bloc, mais euh, encore une fois comme militant là. Donc c'est surtout sur la question euh, euh, nationale que, que je, je veux mettre mes efforts là, euh, comme individu. C'est pas une assurance de régler tous nos problèmes, mais c'est une condition. Et puis. Euh, comme beaucoup de monde, Gérald partage ça. C'est pas avec la moitié de nos euh, ressources puis la moitié de nos pouvoirs qu'on va être capable de. de de régler nos problèmes. C'est déjà beau euh, la façon dont le Québec a réussi à se développer euh, au fil des dernières décennies, mais il va y avoir une limite à ça euh, en, en termes financiers, en termes de pouvoir, euh, et puis euh, de l'autre côté, euh, le Canada est en train de se construire euh, sur ses propres bases, on le voit avec Justin Trudeau, là, il y a ses valeurs, et puis euh, euh, c'était le vrai aussi pour M. Harper, euh, et puis ces valeurs-là, à un moment donné, il va y avoir une confrontation. Euh. Alors disons qu'on voudrait passer euh, les les recommandations de la commission Bouchard-Taylor, c'est sûr que la Cour suprême va nous, euh, nous bloquer. Euh, la loi 101, elle a charcuté complètement. Le français, c'est un enjeu euh, majeur. Et puis en, ensuite, avec l'immigration, ben l'intégration, c'est extrêmement important. Et puis le gouvernement du Québec actuellement, qui est un gouvernement provincialiste... Il ne met pas de ressources là-dedans. Donc, on se prépare des problèmes euh, sociaux. Même des sociétés qui mettent énormément de ressources ont des problèmes d'intégration. Alors, imaginez-vous, si on n'en met pas, on... c'est sûr qu'on se prépare euh, des, des années difficiles. Alors, moi, je pense qu'il faut, au contraire, euh, prendre toutes nos ressources pour essayer de régler euh, les problèmes. Puis, comme disait Michel Chartrand, au lieu de, de, de se demander lequel des deux derrière je vais botter, je vais savoir lequel. C'est celui du Québec. <laughs> il disait ça pour expliquer pourquoi il était indépendantiste préférer avoir un seul derrière à botter que de se demander si c'est le fédéral ou le provincial que je dois botter. Je trouve que c'est essentiel, là, puis euh, on va le voir, on le voit déjà, mais c'est insidieux. Tu sais, la, la place du français à Montréal, c'est déplorable maintenant. Là, c est, c est... Puis là, ben, quel signal ça envoie aux jeunes ben, Le français, c'est pas si important que ça. Euh, euh, aux, aux nouveaux arrivants, ben, le français, c'est pas euh, euh, essentiel. Il, il reste juste là, finalement l'aspect éducation de la loi 101. Mais tous les adultes qui arrivent sont pas obligés de se franciser. Euh, puis il y a des du monde qui les embauche euh, sans aucune notion de français. Alors. Euh... Ça n'envoie pas un bon signal pour leurs enfants. <laughs> Alors, euh, c'est ça. Moi, je pense que ça demeure toujours prioritaire. Ça veut pas dire que d'autres batailles sociales sont pas amenées en même temps. Là. Euh, quand il y a eu euh, tout le printemps érable, c'était un, un roll bol généralisé. On va embarquer là-dedans sans, sans difficulté. Aussi bien contre la hausse des frais de scolarité, les questions environnementales, la corruption. Comme je me suis aperçu à l'élection de, de 2014, les gens mieux la corruption que l'éventualité d'un référendum pour le moment. J'ai <laughs> toujours été dans des métiers qui sont dénigrés par la population. Politiciens, syndicalistes, enseignants. Alors, euh, je veux dire, ça, 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 me, ça me laisse froid. Et ce que je constate, c'est que les gens généralisent, mais souvent quand c'est une personne, ah lui, pas pareil. Alors, par exemple, c'est la même chose. Les politiciens, ah, c'est tout des pourris. Mais s'il y a une soirée de l'âge d'or, ils veulent avoir leur député. Puis s'il n'est pas là, là c'est un crime de lèse-majesté. Alors, la classe politique, oui, est dénigrée, mais le député est bien important qu'il soit à notre soirée. Euh, pour les syndicalistes, c'est la même chose. Quand les gens ont des problèmes, ils peuvent avoir dénigré euh, le syndicat, mais ils vont se syndiquer pareil, puis si, euh, ça peut être une partie de la solution à, leur, euh, à leurs problèmes. Euh, et puis enseignant, ben ça, euh, c'est une vocation. Alors, euh, je suis content d'avoir eu trois métiers qui sont dénigrés collectivement, mais qui sont appréciés individuellement. Euh, rien que je. Je regrette rien euh, de, des choix que j'ai faits. Quand j'ai quitté la CSN, euh, j'ai pas regretté. J'ai jamais été vraiment un patriote euh, euh, au plan syndical. Là, euh, j'ai toujours eu des très bons rapports avec euh, euh, le secrétaire général, par exemple, du Conseil du Travail de Montréal, qui était Guy Cousineau. On travaillait vraiment euh, main dans la main. Quand j'ai été secrétaire général avec Fernand Daou, euh, j'ai jamais eu de problème avec Henri Massé. Euh, C'était on a cherché même, on a eu des protocoles euh, contre le maraudage, des protocoles euh, d'Union. On a cherché à aller rechercher la, la CSD. Euh, pour un anniversaire de la, FT, de, de la CSN, là, on a entrepris des démarches pour essayer de convaincre la CSD de revenir euh, à la CSN. Ça n'a pas fonctionné. Mais euh, donc, même si je trouve que la CSN c'est la vraie centrale québécoise, je dénigre pas les autres euh, organisations euh, syndicales.